Jeudi, c'est mercredi 31 août 2022. Et titre leçon nous pour jeudi, c'est une bouche fermée. Une bouche qui ferme. Non pas, monsieur frère Jorab, Étienne, ferme les yeux, mais c'était tout. On nous prie ensemble, papa bon Dieu. Seigneur, papa, nous qui sommes dans le ciel, papa, nous par contre, comment pour nous dire merci pour grâce ou l'amour manifesté envers nous. Merci parce que vous toujours fait plan pour nous. Merci parce que vous créez ce moment ça pour nous. Côté nous ensemble pour nous étudier parole chaque jour. Seigneur, où connaît que nous, où est désir que nous, t'en prie, enseignez-nous, papa. Fais-nous gens où voulez. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonsoir, amis. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous une autre fois encore pour nous continuer à étudier ensemble parole bon Dieu. Pas oublier semaine ça, on a étudié leçon 10 là qui gagne pour titre Restez doux dans les causes. Leçon 10, Restez doux dans les causes. Verset n'a médité sous lui pendant toute semaine ça, nous trouver dans Matthieu 5 verset 5, il dit heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Zamim, c'est toujours avec que nous remplis avec joie, nous croisons ensemble avec vous chaque jour pour nous étudier ensemble parole bon Dieu. Nous en pile cap étudier ensemble avec nous chaque jour, nous dit bon Dieu merci et nous disons et ou même nous disons merci parce que vous avez temps pour étudier parole bon Dieu et vous choisi étudier ensemble avec nous. Que papa bon Dieu dans l'amour continue bénir. Nous sûr et certain moment ça ou mettez à part pour étudier parole bon Dieu, les papiers un moment perdu. Bon Dieu apprend note et quitte nous en bagay. Tout autant ou ka encourageons l'autre monde vinn étudier ensemble avec nous. Fais ça parce que les comme ça ou participer dans l'évangélisation. Ou pas connaît combien monde gade ou aider avec message ça. Combien monde message ça arrivé dans cœur yo et li fait effet pour le faire ou pas même connaît. Alors continuez partager. Alors hier nous t'ai étudié une belle partie leçon qui c'était aimer ceux qui nous font du mal. C'était une leçon qui était vraiment belle. Si vous avez étudié la leçon, ça a étudié le sous-canal là. Ou moi, ensemble avec vous, bon Dieu fait appel avec nous pour nous remettre les gens qui ne sont pas remis nous. Les gens qui ont fait nous souffrir. Il y a des gens qui ont dit, ah, frère Joab, qui est bah, ça, eh, ça c'est pour l'aime dans le ciel. Eh. Bon, si vous dégagez, vous faites le qu'on y a. L'arrivée dans le ciel là, ou, bon, alors, ou capable même d'aller dans le ciel là. Ou capable même qu'aller dans le ciel là, imaginez on nous pas veut saluer et vous rivez elle dans le ciel là. On dit mon Dieu mettez-moi en bas. Qui t'aime dire bagage en même. Et moi même ensemble avec vous qui dit nous ces chrétiens, gon façon pour nous vivre. Gon façon pour nous vivre pour nous faire bon Dieu plaisir. Gon façon pour nous vivre si nous voulons aller dans le ciel là tout bon vrai. Et pendant tout trimestre ça, n'a pour comment pour nous comporter nous face à difficulté parce que que nous voulons, que nous pas voulons, nous fait face carré à difficulté quand même. Maintenant, le son ça y a montré nous comment nous devons fonctionner. Par exemple, y a un monde qui a parlé mal, son bagage qui est difficile. Y a un monde qui a fait tort, son bagage qui est difficile. Y a un monde qui a fait une série de bagages qui nous a dit dans le langage pas nous pour blaser, son bagage qui est difficile. Mais la Bible dit, bon façon de comporter à monde ça en tant que chrétien. Yon moun ka fò yon série de bagay, ka fò soufri, ki fò mal, ou pa ka réagi même jan, et à moun ki pa kon bon Dieu, même les bagay la fò mal. Nan leçon jodi an, yon parle nou de bouche fermée. Yon l'autre façon pour nous comporter nan kouze a. Yon l'autre façon pour nous comporter face à difficulté. Et nan leçon jodi an, ou bay nou exemple Jésus, qui te passé nan kouze li même tout, mais qui te rete très doux. Alors, pa gen pi bon exemple, nous ta ka pran, que exemple Jésus hein, même les yo t'ai parlé nous de Moïse, yo t'ai parlé nous de Joseph, OK qui t'est passé dans causé, qui t'est passé dans des causé mais qui t'est resté très doux, très calme. Jésus c'est plus bon exemple. Dans Matthieu 11 verset 29, Jésus dit venez et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de cœur. Gen apôtre Pierre n'attend pas là qui t'a expliqué mon yo comment Jésus t'est comporté dans difficulté li? Comment Jésus t'est réagi
nan koze li te la dan, li te jwen li la dan yo loske li te sou la ter. Nan 1 Pierre 2 verset 18-25, nou pa pli tout, men ou men nou made ou pou kape le son pou le pou nou. 1 Pierre 2 verset 10, verset 18, ki vient verset 25, li di: serviteur, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Jésus t'a souffri moi-même ensemble avec vous. Il t'a quitté exemple comment pour nous comporter lorsque nous avons souffri. Et apôtre l'a dit, apôtre Pierre dit, mon yo, si vous avez souffri, mais c'est parce que vous décidez de servir bon Dieu, si c'est parce que vous décidez de faire ça qui bien, vous avez souffri, vous devez glorifier bon Dieu. Mais si c'est pour ça qui mal ou fait ou a souffri, souffrance trois fois plus dur, il pas aucune valeur pour bon Dieu. C'est ça que fait moi ensemble avec vous. Nous devons prêter un peu l'attention sur comment on a réagi face à un monde qui comportait un gens qui pas fait nous plaisir envers nous, un gens qui pas fait que nous content. Il est très important pour nous connaître comment on a agi envers monde ça yo qui fait nous souffrir. Envers moun sa ou ka fè nou du tort. Des fois, gen seri de situation ou ap konnen, yon seri de moments difficiles ou ap konnen. Si ou pa mette tête sous épaule ou ka gen vie réaction. Réaction lorsque ou fin gen yo après ça ou pa pose tête ou question ça me sort fait là. Des fois, gen de situation là-dedans, ou pa besoin chercher raison. Ou pas besoin à le chercher justifier tête tout. C'est juste rester quitter le passé. C'est juste rester quitter le marché. C'est pas facile. Mais des fois il y a des situations qui mandent ça. En pile fois ou quand nos situations difficiles, ou gain raison et puis n'en chercher justifier tête tout, n'en chercher by explication. Ou vinn paraître pour monde qui gain tort. D'ailleurs, ou pas qu'on doit des fois ou nos problèmes, non situation difficile ou est que ou expliquer que pas expliquer il pas changer rien au contraire elle ca ça ca faire bagaille vinn plus mal préfère rester avec bouche fermée parce que gon juge créer le temps avec le temps peut-être ou ca goumer pour tout monde ouais c'est ou qui gain raison et puis avec le temps tout monde ouais qui est-ce qui gain raison. Moi-même, moi expérimenté ça et moi, tellement fait expérience là tout même. Lorsque on m'a décidé de faire ça qui pas bon, des fois, pas besoin à chercher justifier tête tout, à chercher montrer c'est où qui gagne raison. Quittez-le. Parce qu'en pile fois, discussion yo qu'on mène nous très loin. En pile fois, dispute yo qu'on mène nous très loin. Des fois, quittez le temps passé. Et bien, avec le temps, tout le monde qui t'a suivi, il y a pour qui est-ce qui a guérison et qui est-ce qui n'a pas de guérison. Des fois, on est obligé de rester avec la bouche fermée. Dans la fausse accusation qui a été faite sur Jésus lorsque il était sous la terre pour tout le monde, parce que tout ça, il a dit le fait, c'est menti. Dans la fausse accusation, il n'a pas jamais répondu. Seulement quand Jésus t'a ouvert la bouche, c'est là où il a demandé est-ce que c'est petit bon Dieu vrai? Est-ce que c'est roi vrai? Après ça, Jésus pas jamais répondre aucune accusation yo te fait. Ça c'est un modèle Jésus qui était pour nous. Yo l'autre façon pour nous comporter dans cause a. En pile fois nous chaud nous besoin parler. En pile fois nous comme si nous tellement connaît nous gain argument, nous gain bel langage, nous ca défendre nous.
Des fois quitter bon Dieu défend nous des amis. Des fois quitter bon Dieu défend nous des vieux sœurs. Parce que si c'est bon Dieu qui défend nous, l'a bien défend nous. Et dans le son elle dit nous dans toutes les situations injustes, nous devons croire que notre Père céleste est aux commandes et qu'il agit en notre faveur quand c'est en accord avec sa volonté. Ou besoin qui ça? Ou besoin dégager pour être dans volonté bon Dieu. Et si ou êtes dans volonté bon Dieu, on monde vient attaquer la croisade dans grand li, j'ai qu'on dit ou bien zo grand li. J'ai qu'on dit bah ça. Ou besoin rester dans li bon Dieu mandé pour rester. Ou besoin rester suivre Jésus. Maintenant si pendant ou suivre Jésus, on monde vient attaquer la croisade Jésus. Des fois pas même besoin à l'ouvrir bouche. Quitter bon Dieu agit pour. Ça qu'arrive le pas de livre. Yo te fait faux accusation sur Jésus. Jésus t'est mort. Ça qu'arrive le pas il va délivrer. Ça qu'arrive il pas défendre. Mais ça qui est important, li pas quitter pour compte. Li pas quitter pour compte. Depuis ou rete dans ligne li tracé a. Quel que soit ça ou là dedans ou pas pour compte. Pas oublier conseil apôtre Pierre ba ou inspiré de la vie de Jésus. Car il semble que le silence face à la souffrance injuste soit un plus grand témoignage à la gloire de Dieu que de rectifier les gens. Lorsque Caïphe t'a interrogé Jésus, Jésus t'est resté en silence. Et des fois, silence-là, il connaît un gros témoignage. Silence-là, il connaît un témoignage à la gloire de Dieu. Apprendre à faire silence. Apprendre à faire silence, rester sous genou. Des fois, bagala dure. Des fois, elle fait mal. Il fait mal. Mais, gardez, prends cœur. Rester sous genou. Fais silence. Et bon Dieu a combattu pour. Parce que bon Dieu n'a jamais abandonné petite li kap chèche. Dans kouze yo, dans difficulté yo, bagay yo dur. Bagay yo pas vini jouan ou te souhaité. Mais rete confiant que bon Dieu n'a jamais abandonné. N'attendons demain si Dieu veut. Demain si Dieu veut, c'est notre rocher et notre refuge. Moi, je m'en avec vous. Même là, nous n'a causé, nous pas pour compte, nous avons rocher, nous avons appuyé sur lui, nous gagnons refuge. Nous parlons de qui est lié demain si Dieu veut. Fais mes yeux, c'était tout. À nous prier ensemble, papa, bon Dieu. Seigneur, merci, papa. Merci pour ce que je dis à. Ou apprendre nous, ou faire nous songer comment silence là important, comment silence là capable pour gloire. T'en prie, aidez-nous pour nous utiliser zam sa yo dans cause yo et comme ça nous pas périr dans cause. Fais-nous grâce, nous prions au nom de Jésus. Amen.